Salut tout le monde, c'est Julatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de Stranded Deep avec Marie-Madeleine. La dernière fois on s'était laissé au coin du feu, souvenez-vous, j'avais chopé la boussole, j'avais chopé pas mal de trucs dans l'inventaire. J'avais chopé de la tôle, des fruits, le flingue, le flare gun qui peut lancer des fusées. J'avais chopé de la morphine, encore des seaux. J'avais chopé un petit peu tout un tas de trucs. On était carrément parti à l'aventure. Il est quelle heure? Ouh putain, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai un peu faim, tranquillement. Ma vie ça va plus ou moins bien. Nous sommes le 26 août, il est 7h39 du matin. Nous avons survécu 12 jours. Il fait déjà 28,5 dès le matin. Eh bah mon vieux déjà. Alors bah c'est que ça cogne dès le matin hein. Eh bah on va prendre ça tranquillement. On va prendre 2-3 petits bouts de bois. Ça, donne-moi ça. Ok, c'est parfait. Nickel. On va prendre Marie-Madeleine. En voiture Simone. Allez, c'est parti. Let's go. Alors là, je sais pas où est-ce qu'on va le jeter. Putain, j'aurais bien aimé trouver un moteur pour mon radeau, mais bon, toujours pas malheureusement. J'attends. Où est-ce qu'on va se jeter? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Putain, faudrait pas trop que je me perde. Je sais même plus d'où je viens. On va essayer de retrouver un petit peu l'île principale. Parce que là, on est parti pour pas mal s'éloigner. Ouh! Putain! Marie-Madeleine! Bah! Je délire! Viens ici! Oh, je délire! J'ai retourné le radeau, mon vieux! Bah, bah c'est pas costaud, ça! Alors? Comment que je retourne ça? Allez, vas-y! Allez, vas-y! Je vais essayer de le retourner, là. Ah, putain, retourne-toi! Voilà! Ah, quand même! Oh, comment c'était chaud! Je vais manger des fruits, parce que je crois que je vais avoir soif et faim. Ouais, bah heureusement que je les ai mangés. Hein. Allez, c'est parti. On va essayer de regagner l'île principale. Let's go! Le problème, c'est que je sais même plus où elle est, l'île principale. Je crois qu'elle est par là. Allez, vas-y, c'est parti, on verra bien. Oh, regardez, pourtant, je suis sûr qu'il y a encore des îles derrière et tout, là, à les fouiller, mais bon. On va rentrer à l'île principale, on va poser tout ce qu'on a trouvé et on repartira en exploration après. Je pense que c'est le mieux à faire. Je crois que du coup, il me semble que ici, je suis déjà venu. J'avais posé un feu de camp d'ailleurs. J'avais fait exprès. J'avais dit si je reviens et qu'il y a un débris de bois, c'est que je suis déjà passé. Il me semble, hein. Attendez, je vais en être sûr, mais il me semble que je suis passé ici. Bah ouais, regardez, voilà. Tu vois, la preuve que ça sert de faire des petits feux de camp sur les îles où on passe. Il y a même, alors il y a pas mal de personnes qui m'ont dit dans les commentaires que je devrais faire des lits sur les îles où je passe. Et le problème, c'est que pour faire des lits à chaque fois, faut du bois et tout, et ça peut être assez long à faire. Attendez, je suis venu ici. Ça me dit rien. Ouh, un petit air tank. Ça c'est bon. Tranquillement. Oh, il y a encore un coffre là. Encore un air tank. Oh, ça c'est bien ça. Ça les air tanks ça se prend. Ah bah attendez, oui, j'étais venu ici. C'est pas là où le requin il me faisait chier? J'y crois. Non? Attendez. Ouais, je suis pas sûr. Attendez, regardez, il y a une console. Ah non, je crois pas que je suis venu ici. Non, non, je suis pas venu. C'est quoi que j'ai ramassé? Yes, des bandages, ça c'est cool. C'est quoi ça? Carburateur? J'ai jeté ça, du bois. Il y en a un peu partout. Voilà, carburateur. Ce que j'aurais bien voulu trouver, c'est l'engine canister. C'est-à-dire le moteur du radeau, justement, qu'on met à l'arrière. Mais du coup, je pensais qu'on pouvait le crafter, tu vois. Mais en fait, je crois pas. Tu vois, moi, c'est ça qu'il me faut. Voilà. Bot moteur, il me faut un engine canister. Et ça, j'en ai pas. J'ai des engines tout court. Ça, j'en ai. Duct tape, j'en ai. Propeller, je sais plus si j'en ai. Woodstick, bon, bah, j'en ai. Ouais, ouais. Il me manque quasiment rien pour le faire. Elle est où, au fait, Marie-Madeleine? Oh, elle est là, c'est bon. Donc, du coup, putain, du coup, je suis perdu. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la boussole. Je crois que mon île, elle est plus au sud. Sud-est, je crois. Ouais, on va aller du côté de là-bas. Attendez, là, je suis à moitié paumé. Je me demande si c'est notre île, ça. Je suis sûr de rien. Mais bon, maintenant qu'on peut se déplacer plus vite avec le radeau à voile, déjà. Voilà, ça me fait moins peur de me perdre en mer, disons. Non, parce qu'avec le radeau jaune, c'était super lent, quoi. Oula, par contre... Le radeau à voile, il tangue, hein. Il tangue pas mal, franchement. Non. Ça a pas l'air d'être notre île, celle-là. Mais. On va quand même aller dessus. Je te laisse les commandes, Marie-Madeleine. Bah, mon vieux, alors. Voilà. Impeccable. Ouh, toi, t'as de la chance, toi. Tu fais la maline, mais... Ouais. Vas-y, va.
Saloperie, putain, ils se barrent tous dès qu'ils me voient arriver, hein. Hein? Ils se barrent, hein. Bon, oh, bah regardez, bah c'est notre île d'origine. D'accord. C'est notre île d'origine. Bon, bah écoutez, je vais en profiter pour faire une petite sauvegarde, juste ici. Voilà. Ok. Ça dit quoi au niveau de la fatigue? Ouais, bah j'attendrai la nuit pour dormir. Ok, d'accord. Ouais, c'est notre île d'origine en fait ici. Ah, bah du coup, on n'est pas loin de notre île principale. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va reprendre notre ado. Il est où? Il est là-bas. Let's go! Marie-Madeleine! Y'a pas eu de voleur? Elle a dit non, mon vieux. Impeccable. Nickel! Je te fais confiance. Ah, regardez là, celle-là, mon vieux. Un vrai matelot, mon vieux. Un vrai matelot d'eau douce. Hein? Allez, viens ici, va. Allez, c'est parti. Donc du coup, attendez, je vais prendre la boussole quand même. Oh là là, comment que je suis content avec la boussole là. Là, ça va carrément nous servir quoi. Je peux vous dire que ça, ça va nous sauver de périlleuses situations. Ouh, attendez. Une épave? Deux épaves? Est-ce que j'ai déjà fouillé ici? Oh non, j'ai jamais été ici. J'ai jamais été, mais le problème c'est que je suis plein quoi. Jerrican d'essence, carburateur, ouais. Pas grand chose. Pas grand chose qui me plaît, quoi. Attendez, il y a encore un coffre là. Du scotch, ça je prends. Des carburateurs, des jerrican, je commence à en avoir plein. Je vais prendre quand même, mais. Voilà quoi. Ok, du coup, j'avais pas été ici. Attendez, parce que il y en a encore une là-bas, une épave. On va aller fouiller celle-là là-bas, tranquillement. Voilà, allez, vas-y, monte là-dessus là. C'est parti, mon vieux. C'est quoi cette île là-bas? Bah, c'est peut-être bien notre île principale, non? Écoutez, attendez, on va aller voir ici. Voilà, tranquillement. Voilà, stop! Impeccable. Vas-y, je vais voir si je peux trouver un truc de bien par ici. Et je vais voir ce que je peux lâcher à la place. Si je trouve un truc de bien, bien entendu. Allez, prends ça, voilà. Je vais lâcher la toule. Elle est où l'épave? Elle est là, ok. Je vais remonter. Je fais un petit tour comme ça d'horizon. Putain, ça va déjà faire nuit, quoi. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ah, attendez, si. Regardez. On peut rentrer ici. Yes. Allez, vas-y. Oh, lanterne. Lanterne, 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 lanterne. Putain, qu'est-ce... Vas-y. Non. Ouh. Donne-moi la lanterne. Ça, je prends... Ici. Boussole. En ai-je vraiment besoin de deux? Je ne suis pas sûr. Mais bon, je la prends quand même. D'accord. Merde, merde, merde. Mais prends-en un autre, prends-en un autre, vas-y. Voilà, c'est bon. Ok, d'accord. Ici, c'est fermé. Ok, on va remonter par l'autre côté. Bon, plutôt pas mal. On a trouvé une lanterne. Ça, c'est cool. Parce que les lanternes, quand même, c'est pas mal. Putain, j'ai plongé, il faisait jour. Je remonte, il fait nuit. C'est délire. Bon, pas mal la petite plongée. Franchement, bien. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va se diriger là-bas. Parce que c'était là-bas qu'on allait, de toute façon. Et bah, c'est parti, let's go. Allez, en avant toutes. Elle est où, Marie-Madeleine? Elle est là? Ouais, elle est là. Impeccable. Nickel. Regardez, regardez, il y a encore une épave là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'y jette? Allez, vas-y. On va voir. Il y a encore une épave ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, du tissu, je prends. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, le tissu. Bon, bah écoutez, on va rentrer là-dedans tranquillement. Merde. Voilà. Vas-y, vas-y, ouvre. Je prends. Vide. Ok. Oh! Merde! Donne! Vas-y. Ok, ça c'est cool. J'ai trouvé un fuel tank. Donc c'était un, c'est un réservoir quoi. D'accord. D'accord, ok, on remonte. Vas-y, remonte, 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 remonte.
Yes, c'est bon. Ok, franchement, bien là. Pas mal du tout. Franchement, nickel. On va aller là-bas, tranquillement. Vous voyez que ça sert les fuel tanks, les petites bouteilles d'oxygène là. Quand on en trouve, ça, ça sert bien du coup. Hein. Attendez, parce que là, j'ai réussi à retomber sur l'île d'origine. Donc celle-là, c'est pas notre île principale, mais l'île d'origine. Mais par contre, ça tombe plutôt bien que je sois arrivé ici. Parce que je peux vous dire que j'ai grand soif. Là, il y a de l'eau et normalement, je dois avoir un seau dans mon inventaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Vas-y, fais péter. Voilà, remplis-moi ça. Et... oh, yes. Yes. Bah heureusement qu'on était passé par ici, mon vieux. Ce que je vais faire... ouh, putain, puis on est bien fatigué. On va passer une petite nuit. Tranquillement, on se réveillera demain matin. Là, voilà. Impeccable, mon vieux, de bon matin, là. Alors... ah bon, on est plutôt pas mal ici. Ouais, j'avais laissé ma sardine ici. Et tu m'étonnes qu'elle est spoiled. Ouais, elle est complètement pourrie, toi, tu veux dire. Putain, ici, j'avais laissé pas mal de bois et tout, hein. Ouais, 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 ouais. Écoutez, faut qu'on retrouve notre île principale. Mais où est-ce qu'elle est, cette île? Attendez. Parce que normalement, à côté de notre île d'origine, il y a l'île avec le rocher. Normalement, l'île avec le rocher, elle est juste à côté. Ça, c'est sûr. Et en face de l'île au rocher, eh ben, c'est justement notre île principale. Elle est où, l'île avec le rocher? Tu vas pas me dire qu'elle a disparu, quand même. Je me demande si notre île principale, c'est pas celle-là, là-bas. Ah, vos gueules, les mouettes, mon vieux. Alors, je me demande si c'est pas celle-là, notre île principale. Soit celle-là, soit... celle à côté. Moi, je penserais plus comme ça à vue d'œil là. Je penserais plus à celle-là là-bas du coup. On va aller voir celle-là. Ah, regardez, c'est celle-là. Je vois notre base. Ouais, 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 ouais. C'est celle-là, c'est celle-là. Attendez, on va se garer devant la base. Oh, nickel. Vous voyez, à force de persévérance. Ah, puis attendez. Bah, attendez. On va déjà poser tout ce qu'on a ramassé. Ce sera déjà une bonne chose de faite. On va faire le tour tranquille avec le radeau. On va se garer à côté de la base. Eh ouais. Voilà, regardez ça, impeccable là. Alors, on va garer le radeau par là, gentiment, tranquillement. Oh putain, je suis en train de slider sur le sable là. C'est un truc de malade. Eh ben mon vieux, ça fait plaisir de rentrer à la maison. Hein. Ah là là, ça fait plaisir de rentrer à la maison. Ok, allez, viens là. Yes, bah là je peux vous dire que là, on s'est mis super bien. Je vais un petit peu faire le tri dans mes affaires tranquillement. Ouh, par contre, il n'y a plus de feu. Va falloir que je coupe du bois. Ouais, ouais. Je vais poser un petit peu tout ce que j'ai trouvé par ici tranquillement. Fuel tank, les guns, ok. Le tissu, je sais pas trop ce qu'on va faire avec pour l'instant. Le scotch, un bandage, de la morphine, les fuel tanks, ok. Les carburateurs, j'ai trouvé encore une lanterne. Voilà, ça c'est plutôt cool, ok. Bon bah regardez, déjà une bonne expédition, j'ai envie de dire. J'ai trouvé encore des bâches, encore des seaux. Les seaux, on va les remplir gentiment. Voilà, impeccable. Ça c'est super bien la technique que vous m'avez passée là pour remplir les seaux. C'est nickel ça. Les seaux, on va les mettre côte à côte. Voilà, ça c'est impeccable, ok. On va raviver le feu tranquillement, gentiment. Voilà, ça c'est good. Putain, et on a peut-être moyen de faire un radeau à moteur quand même avec tout ça, non? Ah là, je peux vous dire que je suis organisé, mon vieux. Je trie tout, là. Comment qu'on est bien, là? Ouh, regarde-le, lui. Il se fait la malle, là-bas, mon vieux. Alors, viens ici. Voilà, impeccable. Regardez ça. Alors là, ça m'a pris du temps, mais j'ai tout réorganisé. J'ai bien réorganisé le camp. J'ai mis les tôles là. Oh putain, on voit déjà plus rien, mon vieux. Ah bah attends, bouge pas. J'ai une lanterne. Elle est bien, la lanterne. Ouais, je trouve que c'est même mieux que la lampe de poche, des fois. La lanterne, tu sais quoi? La lanterne, je vais la poser là. Comme ça, j'en ai une là-bas qui est en hauteur. Et j'en aurai une sur la base. D'ailleurs, l'autre, elle est allumée là-bas. Elle est en hauteur. Ça, c'est plutôt cool. Ok, d'accord. Ah, par contre, vous voyez, regardez. Regardez la lanterne là-bas. Si on s'éloigne, hop, elle sert plus à rien. Par contre, dès qu'on se rapproche, hop, vous voyez, c'est presque de la décoration, j'ai envie de dire, quoi. C'est dommage, mais voilà. Donc voilà, j'ai mis les tôles ici, j'ai mis les bâches ici, j'ai mis les planches et la ferraille ici, les fibres, les cailloux, ou par contre les scotch, j'avais pas vu. Je vais les mettre là-bas. Le bois, bon bah le bois, j'en ai qu'un. Ici, j'ai mis les boules comme ça. Et ici, j'ai mis, voyez, un petit peu tous les objets qu'on a pu récupérer, quoi. Bon, on va dormir un petit peu, tranquillement. On va passer la nuit. On se réveillera demain matin. Ah bah voilà. Alors, ouh putain, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu par contre pendant la nuit. Ça s'est bien rempli ça. Pendant la nuit, bah on a eu un peu soif hein. On n'a plus de bois. C'est un truc de malade. Il faut absolument qu'on parte à la recherche de matières premières là. Voilà, impeccable, nickel. Je vais me faire une ou deux noix de coco. Histoire d'eux parce qu'on a faim. Putain mon vieux, elle a volé.
Ça, fais péter, vas-y. Alors, putain, j'ai encore faim, hein. Vas-y, je vais m'en faire encore une, hein. Tranquillement. Ouh, comment j'ai déjà m'agacé les mouettes dès le matin, mon vieux. C'est pas bon, ça. Alors, hein. Ouais, vas-y. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les machettes ici déjà. On va prendre la hache, la boussole et Marie-Madeleine. Et on va partir aller chercher du bois. On va retourner sur notre île d'origine, aller chercher tout le bois qu'on a laissé là-bas. Voilà, impeccable. Allez, j'arrive. Putain, mon vieux, il se barre le bordel. Bon, bah je crois qu'on est blindé cette fois-ci, hein. Y a plus qu'à retourner de l'autre côté. C'est parti, let's go. Ah, je peux te dire que je vais te la faire, mon vieux, la réserve de bois. Ça va être un truc de malade. Impeccable. Et là, quand même, j'ai la réserve de bois, hein. Mais ça part vite, attention. Ça paraît pas, mais ça part très vite. Tiens, je vais faire de la lashing, ça fera de la place. Voilà. Et bah là, je peux vous dire qu'on en a de la lashing. Là, c'est un truc de malade. Ouais, bah ce sera pas pour tout de suite, le bateau à moteur. Il manque juste l'hélice, il manque pas grand-chose, hein. Ça, on va faire une porte. Voilà, comme ça, ça c'est parfait. Déjà, un truc qui est plutôt important, c'est qu'on va faire un deuxième récupérateur d'eau. Mais genre un truc de compète. Impeccable. Et bah ça c'est parfait, ça, tu vois. Et nous voilà avec deux récupérateurs d'eau de compète, mon vieux. Alors, tiens, puis ça tombe bien, mon vieux, j'ai soif. Tu vois, regarde, celui-là il est prêt. Hop là. Impeccable. Nickel. On prend le vide, on le met en haut. On prend un plein, on les met en bas. Et c'est impeccable. Oh là là, comment qu'on est organisé là. Oh, l'organisation, mon vieux, c'est un truc de malade. Je vais mettre un petit peu de bois ici. C'est histoire de faire la réserve. Et bah là, je peux te dire que franchement, on s'est mis bien là. Bon, très bien, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye. Voyez, vol Marie-Madeleine. Voilà.